Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur la série de jeux BioShock. Oui, je suis pas connecté à mon compte 2K. Voilà. Jeu principal, bien entendu. J'ai commencé? Ah ouais, j'ai commencé plein de trucs. Mais non, je veux rien charger, je veux faire une toute nouvelle partie. Ah oui, c'est vrai que c'est que des sauvegardes automatiques dans ce jeu-là. Ah, moi je découvre les FPS, hein, j'ai trop pas l'habitude. Débloquer les améliorations dorées du pistolet et de la mitrailleuse. Trouver ces armes pour les équiper. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Mais je te crains, toi. L'esprit du cobaye tentera désespérément de créer blablabla. Des souvenirs quand il n'en existe pas. Dis-moi, tu vas rester planté là? Tu veux que je fasse quoi? Que je danse? Danser, non! Que tu rames! Ramer? J'avais pas prévu de ramer! Donc, tu voudrais que je m'occupe de tout? Non! Je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui! Et en quel honneur? C'était ton idée de venir ici! Mon idée? Je t'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice! Quoi, ramer? Non! Ça, c'est un exercice épatant! Quoi alors? Toute cette expérience de pensée! Excusez-moi, c'est encore long? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas? Non, il ne rame pas. Hein, je vois ce que tu veux dire. Moi, je comprends rien à leur discours. Salut Tira, nous comment y tu vas? Sommes. Les mecs, ils arrivent à s'arrêter comme ça par magie. Hein. D'après toi, on doit lui dire quand on reviendra? Quelle différence ça ferait? Ça le rassurerait peut-être. Pour une fois que nous sommes d'accord. Hé hey! Y'a quelqu'un qui m'attend ici? Je l'espère vraiment pour vous. Il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul. Bon, y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Je trouve le contrôle hyper sensible. Ou c'est moi? Non, clavier souris. Ça me va mieux. Ça rappelle le premier BioShock où on s'écrase en avion et on trouve le phare au milieu de l'océan qui nous fait descendre. Excusez-moi, je suis Booker DeWitt. Je suppose que vous m'attendez. Attends, c'était écrit. DeWitt, amène-nous la fille pour effacer tes dettes. C'est ta dernière chance. Eh ben, ça a l'air sympa.
Y a quelqu'un là-dedans ? Eh oh ! Il fait très chaud, mais sinon ça va. Qu'est-ce qui t'arrive, Tira? Si tu veux en parler, hein, tu peux m'envoyer des messages sur Discord. Bon, on sent que le jeu est vieux, mais je trouve qu'il a pas si mal vieilli que ça. Soit pas. Cette carte. Alors, parchemin une fois, clé deux fois. Je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. Bon, et maintenant... Là... Tenez-vous prêt, Béla. Non. Il y a un tir à votre sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe, là? J'aime pas ça. Non, 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 bordel de merde! Attention. Début de l'ascension dans 5. Non, 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 non. 3, 2, 1. Non. Ascension. Attention. Allez, mon cœur. Nous sommes la 5000 pieds. 10 000 pieds. 15 000 pieds. Alléluia. On dirait que je suis arrivé. Ah, ou pas encore.
Ah, ça y est, j'ai une barre de PV. Ça peut me détacher? Alors sachez à tous ceux qui regardent le stream ou la rediff du stream, que ce soit sur Twitch ou YouTube, que j'adore la série BioShock et que je déteste par contre la fin de cet épisode. Vous êtes préviendus. La progéniture du prophète. S'assiera sur le trône et se noiera dans les flammes de la montagne des hommes. Déjà me blinder de thunes. Hein. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Excusez-moi, je suis où ? Au paradis, enfin ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. Vaut mieux pas poser de questions, je veux pas me faire remarquer. Aimez le prophète, car il aime le pécheur. Aimez le pécheur, car vous êtes le pécheur. Et sans pécheur, quelle place pour le rédempteur? Sans péché, quelle grâce pour le pardon? Dans mon ventre grandira la graine du prêcheur. Ok. C'est pas du tout malsain déjà. Et chaque année, en ce jour de fête et de célébration, nous réaffirmons notre engagement envers notre cité et notre prophète, le père Comstock. Nous nous engageons par le sacrifice et par l'action de grâce, et en nous plongeant dans les eaux du baptême.
Car oui, si le prophète avait frappé nos ennemis à Undinni, plutôt que de s'insurger contre la menace de la Sodome inférieure, cela aurait suffi. Si le prophète s'était insurgé contre la menace de la Sodome inférieure et avait refusé les trois dons en or des fondateurs, cela aurait suffi. Si le prophète avait accepté les trois dons en or des fondateurs et n'avait pas prié pour notre délivrance, cela aurait suffi. Si le prophète avait prié pour notre délivrance et ne nous avait pas menés au Nouvel Éden, cela aurait suffi. Si le prophète nous avait menés au Nouvel Éden et n'avait pas éliminé les vipères de l'Orient, cela aurait suffi. Si le prophète avait éliminé les vipères de l'Orient, mais n'avait pas subi le sacrifice de sa bien-aimée, cela aurait suffi. Si le prophète avait subi le sacrifice de sa bien-aimée, mais n'avait pas chassé la Vox Populi, cela aurait suffi. Je suis obligé de rentrer dans le cercle. C'est à nouveau! Il vient de la Sodome inférieure qui nous menace. Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre seigneur. Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville? Mon frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du baptême. Acceptes-tu d'être purifié, mon frère? Soit j'accepte, soit j'ai plus qu'à repartir sur ma fusée. Hé hey. Je te baptise au nom de notre prophète, au nom de nos fondateurs, au nom de notre Seigneur. Au sein de Columbia. Amen. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais cet homme ne m'a pas l'air bien pur. Qui est là? Qui est là? Ramenez la fille, et nous effacerons la tête. Vous voulez quoi? Nous avions un marché, DeWitt. Ouvrez cette porte, tout de suite! Je vous l'ai dit, je refuse de le faire! Allez-vous-en! Monsieur DeWitt! Monsieur DeWitt! Faire confiance à notre propre fierté. Non, notre fierté en est incapable. Nous le savons, parce que l'ange Columbia... Ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade. Je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. Au père Franklin, une clé en or pour que l'Éden ait le zèle nécessaire pour dominer les autres nations. Au père Jefferson, un parchemin pour que l'Éden se dote des lois nécessaires pour dominer les autres nations. Notre prophète emplit nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air. Toi qui franchis le Delaware avec une épée de feu et des ailes angéliques, protège-moi et donne-moi la force. Éloigne la peur et le doute de mon âme. Que je puisse repousser les envahisseurs. De vertu, prêt à combattre l'ignorance et la tyrannie. Fais-moi profiter de... Au nom de l'épée, du parchemin, et de la clé. Amen. Ouais, parce qu'il m'a tué des PV, cet imbécile. Il n'est que providence. Tu vois sa main divine à l'ouvrage. Tu discernes l'extraordinaire. C'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies. Enfin, j'ai une gamine à trouver, moi.
l'hémicycle entre 9h et 11h. Il y a une cascade et plein d'autres choses. Ah, il vient juste de repartir. Et je pense qu'on doit pouvoir arranger ça. Et non, monsieur Rossignol, je n'ai jamais mangé d'huître. Bonjour. Bonjour. Un jour parfait pour les festivités. Le père Comstock. C'est par là-bas. Un scout de la liberté n'aime pas. Il n'est pas question de préférence, mais de devoir. Salton Stoll est pas si mal, moi je dis. Il dit qu'il aime la foi, la famille et la patrie. On peut pas être contre tout ça. N'embauchez jamais d'artistes, mon bon ami. C'est une race caractérielle sur laquelle on peut jamais compter. Je lui ai dit, le parc est incroyablement en retard. Les jardins sont en chantier. Le sanctuaire n'est pas là. La fontaine est remplie d'eau de pluie, mais bon sang. Personne n'a même pris le temps de planter les soucis. Tout ça aurait dû être fait depuis des mois. Ah, j'ai l'air, tu vois. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Qu'il était fatigué, que tout ce travail l'avait épuisé. Et j'ai dit, mais bon sang, je me fiche des détails. Je veux juste que ce soit fait. Puis l'archange m'a montré une vision, une ville plus légère que l'air. J'ai demandé, pourquoi me montrer ceci, archange ? Je ne suis pas un homme fort, je ne suis pas un homme vertueux, je ne suis pas un homme saint. Alors elle m'a répondu une chose remarquable. Tu as raison, prophète, mais si la grâce est à la portée d'un homme tel que toi, comment les autres pourraient-ils ne pas la voir en eux ? Par là. Non, et puis ça veut dire quoi, ou juste la vox populi ? C'est du latin, c'est... Du latin. Tu sais, j'ai cru remarquer la...
C'est bon. Bonne chance pour la tombola. Choisir quel événement aller voir un jour comme celui-ci, c'est une affaire sérieuse, tu sais. On ne peut pas être partout. On aura toujours quelque chose. On va donc à la tombola. Oh, je la sens plutôt bien cette année. Grande fête et tombola de Columbia. Je mange tout puisque comme c'est un jeu histoire, de toute façon on passe et on repassera pas. Et quand on repasse, c'est différent. Si on jamais on repasse à un endroit, ça sera différent. La clé et le parchemin. Sans nuages, plutôt chaud, l'honneur, hein. Avec un petit vent variable dans l'après-midi. En résumé, une journée magnifique pour la fête. Et maintenant, revenons à la musique. Et voilà. C'est trop gentil, j'ai payé avant de reprendre mon argent. Le mec, c'est un pur bâtard. Attention aux faux bergers. Monsieur, voulez-vous une fleur ? Nous menons une campagne pour la Ligue patriotique des jeunes filles. Une prochaine fois. Ça irait très bien à votre revers. Revenez me voir si vous changez d'avis. Un homme se plonge dans les eaux du baptême. C'est un autre qui en ressort, qui en renaît. Mais qui est cet homme? Celui qui reste immergé. Ce baigneur est peut-être bien à la fois un pécheur et un saint, jusqu'à ce qu'il soit révélé aux yeux des hommes.
risque d'attirer l'attention. John, ne te transforme pas en extrémiste de Finton. Je refuse de finir dans ces reportages sur les femmes. Déjà plus de 100 thunes. C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Télégramme, monsieur DeWitt. Un télégramme pour vous. DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... Regarde-la. Si elle je vous disais qu'un homme veut lancer des éclairs du bout des doigts, tous les immigrants. Me croyez-vous? Et si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un animal d'une... Bonjour, l'ami. Me croyez-vous? Eh bien, mes amis, je viens vous le dire. Ce ne sont pas des villes-pesées. Ce ne sont pas de ces histoires qu'on raconte au bar. Vous voulez bien me laisser passer, dites? Ah, désolé, la rue est barrée. Ils préparent les feux d'artifice pour ce soir, là-bas. Il y a assez d'explosifs là-bas pour faire sauter tout Pékin, une fois de plus. Un barrage. Je vais devoir trouver un autre chemin. Une gorgée, et vous ferez de véritables prouesses du bout des doigts. Vous savez que notre prophète est juste. J'ai hâte d'être ce soir. Qu'il est moi aussi. Tu dis toujours ça. Il a demandé personnellement à monsieur Jeremiah Fink de partager ses merveilles avec vous. Loué soit notre prophète et loué soit notre belle ville. Regardez ça, la Vox Populi a encore frappé. Vous voyez ces sauvages? Si je vous disais... Un homme peut lancer des éclairs du bout des doigts. Me croyez-vous? Vous là, vous êtes. Et si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un animal d'une tonne dans les airs, me croyez-vous? Eh bien, mes amis, je viens vous le dire. Ce ne sont pas des billevesées. Ce ne sont pas de ces histoires qu'on raconte au bar. Non, messieurs, non, mesdames, je vous parle là des toniques. Proposé en exclusivité par monsieur Jeremiah Fink. Qui parmi vous s'est déjà frotté au divin don des toniques? Une gorgée et vous ferez de véritables prouesses du bout des doigts. Vous savez que notre prophète est juste, qu'il est bon et qu'il a demandé personnellement à monsieur Jeremiah Fink de partager ses merveilles avec vous. Loué soit notre prophète, et loué soit notre belle ville. Ouais. Si je vous disais qu'un homme peut lancer des éclairs du bout des doigts... Approchez, messieurs, dames. Venez découvrir l'incroyable puissance de la déferlante. Pour lever, retourner ou projeter les obstacles, n'attendez plus. La déferlante est là. Trouvez le démon, monsieur, et chassez-le. Mais en avez-vous la trempe? Non, messieurs, non, mesdames,
Et voilà le premier démon. En exclusivité par monsieur Jeremiah Fink. Qui démon numéro 2. Ouh, quel talent. Et vous ferez de véritables prouesses du bout des doigts. Voici notre vainqueur. Et voilà l'ami. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de lever, retourner ou projeter les obstacles, la déferlante est là. Si je vous disais qu'un homme... Ce sont les jeunes qui ont eu l'idée de se balader sur l'aérotram, tu sais. Et ces petits malins, ils n'avaient même pas vraiment vécu. La Vox Populi sème le trouble dans nos rues. Qui va les arrêter? Hé, hey, vous, vous maniez le fusil? Vous voulez aider notre belle Columbia? Montrez ce que vous savez faire en traquant Daisy Fitzroy et les membres de la Vox Populi. Ah, voici un courageux. Tirez sur la Vox Populi quand elle apparaît. Marquez assez de points pour gagner un lot. Je rajoute un bonus si vous touchez cet anarchiste de Daisy Fitzroy. Jouez, monsieur! Jouez, monsieur! Bien visé! Hé, hey, vous y êtes presque! La voilà! Daisy Fitzroy! Fitzroy passe encore entre les mailles! Encore un tir en plein dans le vide! Oh, la boxe n'a qu'à bien se tenir! Columbia est fière de vous compter dans ses rangs! Voilà pour vous. On recherche des tireurs d'élite. La Vox Populi est en liberté. Qui va nous protéger? Et prouvez votre courage sans attendre. Tirez sur les cibles. Non, messieurs. Non, mesdames. Voxophone, voxophone, écoutez votre voix. Allez-y, dites quelque chose. C'est quoi un voxophone? C'est quoi un voxophone? C'est ça, un enregistrement personnel de votre voix. Hé, hey, qu'on soit bien clair, moi je paie pas pour ça. C'est juste une démonstration. Est-ce que tu as essayé les nouveaux toniques présentés? Je préfère attendre que Fink les ait bien fignolés, ça me semble plus sûr. Hot dog! Hot dog! Les hot dogs d'Alexandre! Les meilleurs les de Columbia! Les progrès de la science et les Allez merveilles qu'on peut voir chaque jour. Bientôt. Si je vous disais qu'un homme, c'est des éclairs du cible de la disponible pour tous les citoyens de Columbia. Mécus Mechanicus, les talons automatiques. Le cheval du futur, aujourd'hui. Il fera la navette avec votre lieu de travail. On vous emmènera pour une balade avec madame. Il traîne un attelage, des marchandises, des meubles et bien plus. Des objets les plus lourds jusqu'à vos biens les plus précieux. Est-ce qu'ils n'ont pas lésiné à faire un grand endroit pour la... Voilà. Les sauvages dans les airs, ils sèment le chaos. C'est bien. Maintenant, visez ces traîtres et tuez-les. Touchez-en suffisamment pour recevoir un lot. De la boxe pour vous. Allez, vous y êtes presque. Ne croyez-vous? Eh bien, mes amis, courage, encore quelques-uns. Ce ne sont pas. Courage, encore quelques-uns. Non, messieurs. J'avais jamais vu ça. C'est bien mérité. Reposez en exclusivité. Faites le ménage dans les nuages. Prenez un fusil et donnez une bonne leçon à la Vox Populi. Vas-y, moi je veux terminer premier là. 20 points. Touchez-en suffisamment pour recevoir un lot. Vous savez que notre prophète est juste. Un sacré tir. Bien fait pour eux. Réduit en bouillie.
presque. Courage, encore quelques-uns. Si je vous disais qu'un homme... Courage, encore quelques-uns. Allez, vous y êtes presque. Si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un animal dans les airs... Eh bien, je viens vous le dire. J'avais jamais vu ça. C'est bien mérité. Non, messieurs. Non, mesdames. Je vous parle là des toniques. La Vox Populi sème le trouble dans nos rues. Qui va les arrêter? Ah, voici un courageux. Tirez sur la Vox Populi quand elle apparaît. Ouais, vas-y, on voit. Assez de points pour gagner. Ok. Alors, je rajoute un bonus si vous touchez cet anarchiste de Daisy Fitzroy. Vous avez un don, vraiment. Oh, la Vox n'a qu'à bien se tenir. Bien visé. Encore un tir en plein dans le mille. La voilà, Daisy Fitzroy. Ah, à lui le bonus. Oh, beau travail. Jouez, monsieur. Oh, beau travail. Vous êtes un vrai tireur d'élite. La Vox Populi est vaincue. Daisy Fitzroy au tapis. Ouais, c'est 300 et quelques. Ouais. Richement récompensé. La huitième merveille du monde. Il est grand, il est fort. C'est l'incroyable Andy Mann. Seule notre ville est capable de proposer de tels exploits technologiques. Tu as déjà vu un spectacle pareil? Il a l'air triste. Triste? Fort comme il est, pourquoi il serait triste? Dans un distributeur. Un téléphone a-t-il déjà refusé de vous connecter à votre moitié? Alors, il est temps de reprendre. Possession, c'est vous le maître. Faites obéir n'importe quelle machine. Je vais en prendre un. Un simple murmure, ils sont à vous. Ça y est, mon perso est complètement pété. Press to turn machines into allies. On va rallier les machines à ma cause. Qu'est-ce que c'était que ça? Je parie qu'il pourrait soulever tout ce stand à bout de bras. La force ne fait pas tout. Non, qu'est-ce que t'en sais, toi? Quatre parfums? Tant que ça? Parce que la vanille, ça n'est pas assez pour vous? Salut, marin. Vous arrivez de quel port? Un port dans la tempête. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un faible pour ces histoires de crime. Tiens, mais voilà notre bon député Bufford! On vous attend à la tombola! Je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas reconnu. Étrange! C'est toujours un plaisir d'accueillir des personnalités de votre calibre. Oh putain, de... Ou face. Allez, laissez-moi passer. Pile. Ou face. Il y en a 12 sur face. Face. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. Ah oui.
Ah merde, j'aurais dû aller utiliser le contrôleur de machine sur le distributeur de... Regarde, il a l'air perdu. Moi, il m'a l'air très bien. Marie, tu es vraiment irrécupérable. Laissez-moi On raconte que les machines du père Franklin vont bientôt reprendre du service. Vous attendez la tombola. Très bien, très bien. Mon modèle ? Mais Madame Comstock, bien sûr. Que notre prophète la bénisse. Oh, cette pauvre. Ces petits bijoux ? Tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser l'aérotrame de la Vox Populi, on doit être équipé. Ils recrutent pas dans le groupe ? Ah, j'aimerais bien cogner sur la Vox Populi. Madame Lutèce, j'ai lu tous vos livres sur les sciences. Maman me dit que ce n'est pas le genre de loisir auquel doit s'adonner une jeune femme, mais je pense qu'elle est simplement jalouse de notre intelligence. Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour ? Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Nous avons tant de choses en commun. Mes sincères salutations, Constance. Qu'est-ce que... Le faux berger, il a un AD... Gravé sur la main, comme mon perso. Désolé, la rue est barrée. Bon, c'est la pâte que je chaque année. Last Saturday night I got married. Me and my wife settled down. Now me and my wife are parted. I'm gonna take me a stroll up town.
216$ juste en baladant. C'est pas mal. Je déclare la tombola de 1912 officiellement ouverte. Monsieur. Désolé, pas d'argent. Mais non, la tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77? Ça porte bonheur. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol! N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche de tout Columbia? Bon, et maintenant, le vainqueur est le numéro 77! Eh ben, quelle surprise! Numéro 77! Votre prix vous attend! La première balle! Pitié! Pitié, ne fais pas ça! C'était mon idée, pitié! Non! Pitié, qu'est-ce que vous faites? Alors, pitié. Vous la lancez? Ou vous aussi, vous buvez votre café bien noir? C'est là, pitié! C'est moi que vous voulez! Ah, mais c'est qu'on a un petit timide! Il va falloir j'ai faire un quelque chose! Pour toi, vieux salopard! Attendez! La voilà! Alors c'est quoi cette marque, petit? Vous ne savez pas que ça vous désigne comme ce sale traître de faux berger? Et on ne veut pas voir de faux berger dans notre troupeau! Montrez-lui ce qu'on a prévu! Allez! Non, non, non! Ouais, bah voilà, les choses sérieuses commencent. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Et apparemment, j'ai débloqué une version du pistolet en or, mais bon. Je vous l'ai dit, Comstock. Vous leur vendez le paradis et ils s'attendent à voir des angelots pour salut, chaque Daffy. Tâche accomplie. Il n'y a pas de serviteurs dans le royaume de Dieu. Enfin, je connais quelqu'un en Géorgie qui peut nous fournir autant de prisonniers noirs que ce qu'on pourra accueillir. Vous n'aurez qu'à dire que ce sont des simples d'esprit qui cherchent la pénitence pour avoir voulu sortir du rang. Tant que ça soulage votre conscience, ma foi... Comment tu vas, Daffy, aujourd'hui ?
ça me va mieux d'avoir le corps à corps sur cette touche là. Je vais me mettre à couvert. Tirez pour le coincer. Je sais ce que vous avez fait. J'ai l'impression que ce flingue est ultra précis. Pardon, je me suis trompé de touche, excuse-moi. Je l'avais pas vu, dis donc. Là-dedans, c'est le pyromane.
Vous êtes... Il va régler son compte à salopard. Ah ben pas beaucoup d'argent qui traîne ici. Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le pyromane, ils ont dit. Brûlez au nom du prophète! Oh, génial. Du plus profond de l'enfer! Baiser du diable. Pourquoi pas? On n'a qu'une vie après tout. Tada! Il s'est un peu excité là, le pyromane, non? C'était pas encore là qu'il avait tout fait cramer. Hein. Voilà. Je vais stream jusque vers 6h. Hein. Après, je m'arrêterai, je reprendrai probablement mercredi matin et jeudi matin. Mercredi matin uniquement, puisque jeudi matin, il me semble que j'ai un rendez-vous.
J'ai tout mangé. Après, je vais chercher de la vie, je vais pleurer parce que j'en trouve plus. Santé plus, Christo moins. Santé moins, Christo plus. On va se contenter de prendre la thune, hein. Première zone terminée. Je sais plus combien il y a de zones, hein. C'est pas ce que je voulais faire. Oh, putain, ça m'a poussé la moitié de mon mana. Et voilà, je les regarde parce que déjà pour montrer à ceux qui le souhaitent et aussi parce que j'ai jamais. Nous ne sommes pas seuls. Non, en effet. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Nous étions déjà là. Et vous, pourquoi nous suivez-vous? Un apéritif? Ça c'est cool.
me sens déjà mieux. C'est très pratique en cas de problème. Ceci pourrait bien vous sauver la vie. C'était quoi ça ? Surprenant. Surprenant que ça fonctionne ? Surprenant qu'il soit toujours en vie. Mais un champ magnétique à répulsion autour de soi peut s'avérer pratique. Si déjà ça ne te tue pas. C'est très vrai. Je sais pas qui c'est. Aujourd'hui, à moi, je suis chargé de rédiger sa biographie. Il va me donner une avance pour 100 pages exactement. Je ne vais pas vous mentir, mon côté juif ressort quand on me parle d'argent. Alors je lui ai dit, mon père, vos ouailles paieraient pour en lire 1000. Pourquoi leur offrir moins ? Alors, le prophète m'a regardé et il a répondu, 100 pages suffiront. Je connais déjà la fin. Ce truc doit être aimanté. Sortez! Se calmer, oui. Je l'ai un peu trop explosé, peut-être. Dernière déclaration.
Je vais vous achever. J'ai l'impression que ce pistolet en or est un peu cheaté quand même. Oups. Ne cédez pas à la panique. Priez. Coffre verrouillé. Otus travaille à la loge à mi-temps. Il a pris cette boîte au cours d'une de leurs cérémonies secrètes, et je sais qu'elle renferme quelque chose de valeur. Le problème, c'est qu'Otus est un imbécile. Il n'a pas cru bon de prendre une clé ou frère à plume pour ouvrir ce truc. Fermé. Thank you.
T'es progressiste. Donc si je te pique toute ta thune et ta. Et le reste, tu diras rien, ça va. Cette foutue clé. Fermé. Il a pas de clé lui non plus. Je peux revenir en arrière encore. Pour l'instant, en tout cas. Violence est inutile. J'ai beau soutenir sa cause et son peuple. Je ne veux pas voir le sang couler. Tu voudrais qu'elle fasse quoi, ces pauvres noirs? Comment on les traite? On fait finir. La violence n'est jamais inévitable. C'est lui, le type qu'ils poursuivent. Filez, il vous cherche partout. Police, nous avons besoin de votre aide. Ils sont là. Chut, ne parle pas si fort. Allez, on continue. Thank you.
montrez-vous. Entrez, entrez. Comstock est arrivé au wagon à l'aube. Il était fasciné par ma collection de scalps. Il m'a posé des questions sur les scalps blancs. Je lui ai expliqué, vous voyez, chef, si votre proie s'aventure dans la jungle et effraye avec la faune locale, est-ce que ça vaut la peine de faire preuve de pitié? Ça n'a pas fait sourire. Soit il n'a pas compris de quoi je parlais, soit il le savait que trop bien. Enfin, maintenant, il veut que je traque une dénommée Daisy Fitzroy pour lui. J'espère qu'il n'attend pas de moi que je la lui rapporte empaillée. Je sais pas ce qu'ils essayaient de fuir, mais voilà, les pommes c'est bon pour la santé, il paraît. De 134 dents.
Atemus Patria Nostra défendre. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont défendre leur patrie? Si vous tirez, je tire. Dites adieu à votre tête. Vous calmez les gars. Hein. Sans hésiter. Pendant 85 années, ils ont travaillé dans le respect du Seigneur. Mais lorsque le grand hérétique est arrivé, il a amené la guerre. Et les champs de l'Éden se sont retrouvés gorgés du sang de leurs frères. La seule émancipation qu'ils pouvaient leur offrir était la mort. Nous fit entrer dans Pékin, où nous trouvâmes, à la Sodome inférieure, la vraie mission confiée par nos fondateurs. Et quand les mandarins et les hypocrites de Washington le trahirent, notre prophète ne céda pas. Il ne vint pas implorer leur pardon. Comme nos pères se distancièrent du grand hérétique, notre prophète quitta ses prétendus patriotes et aujourd'hui, nous célébrons ensemble cette sécession. C'est bien. Des deux côtés apparemment. Stop! Vous écrasez comme un... Pourquoi le grand libérateur cherchait-il donc à émanciper les Noirs?
Du pain quotidien, de la noblesse d'un travail honnête, de bienfaiteurs fortunés qui les entretenaient du berceau jusqu'à la tombe, de leurs vêtements et de leurs toits. Et continue. Fait de cette liberté. Allez visiter Finkton, et vous le constaterez par... Vous-même, aucun animal ne naît libre, à l'exception de l'homme blanc. Et c'est notre fardeau que de prendre soin du reste de la création. J'ai trouvé la clé du coffre, donc il faut que je revienne en arrière. Pas de dégâts de tutu dans le jeu, il me semble, de toute façon. À part les dégâts dans le vide mortel, bien sûr. C'est pour survivre. Je vais vous expédier 6 pieds sous terre. C'est bien, essaye toujours. Ça, c'est intéressant. Ah. Parfait. C'est ça, je peux pas le prendre. Ok. Est-ce que j'ai pu récupérer m'intéresse beaucoup. Ils sont toujours dehors. Vous allez le regretter. Elle était rapide la mission secondaire. De s'armer et de décharger son arme sur une foule d'honnêtes visiteurs. À l'heure où je vous parle, on le considère coupable d'avoir causé le décès prématuré de 8 citoyens parfaitement vertueux de Columbia. Cet homme est terriblement dangereux et mal intentionné, et nous vous supplions de ne pas tenter le diable en le provoquant sans aucun soutien. Et maintenant, revenons à la musique. Apparemment, me combattre seul, c'est tenter le diable. C'est un peu vrai. Sauvegarde.
Wow. Je sais, j'ai déjà fait le jeu, mais je me souviens absolument pas du tout de cet endroit. Option contrôle. NP, ça serait ça. De quoi le grand libérateur cherchait-il donc à émanciper les Noirs? Du pain quotidien, de la noblesse d'un travail honnête, de bienfaiteurs fortunés qui les entretenaient du berceau jusqu'à la tombe, de leurs vêtements et de leurs toits? Et qu'ont-ils fait de cette liberté? Allez visiter Fington, et vous le constaterez par vous-même. Aucun animal ne naît libre, à l'exception de l'homme blanc. Et c'est notre fardeau que de prendre soin du reste de la création. Bande de starbés. Symbole en votre honneur. Nous vénérons l'épée pour que nous puissions vous venger. Nous vénérons le corbeau pour que rien dans la ville n'échappe à son regard. Nous vénérons le cercueil parce qu'il représente le poids de notre échec. Pourquoi vous faites ça? Je veux juste retrouver ma famille. Je vais te fumer, bâtard. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau tonique? C'est quelque chose, ce truc-là. Mais beaucoup plus vite que ce que je pensais. J'aurais peut-être pas dû mettre le genre normal.
anarchiste est soit un mulâtre de petite taille, soit un Français borgne d'environ 1m40. Je dois pouvoir rejoindre Monument Island depuis cette station. Enfin, ses yeux n'étaient pas si près. Bleu. Non, vert. Oh, je ne sais plus. Il avait les yeux plus grands que ça, et il louchait. Bien. Vous vous rappelez de la couleur de ses cheveux? Ils étaient... roux et frisés. Il avait l'air irlandais. Oui, comme ça. Oh, 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 oh. Ah, j'ai trouvé ma touche. Celui-là me va bien. Ça me va bien. Ah, les deux sont intéressants, mais je vais garder celui-là qui est permanent en fait. Bah du coup, oui, j'ai fait ce que je voulais.
Deuxième zone de terminer. Je réponds à un SMS parce que c'est important. Ouvrez le feu! C'est de la folie, mon garçon! Ne m'obligez pas à utiliser la force! Ah, ils ont déjà explosé la tourelle! Je suis toujours là. Je vais vous montrer.
Dommage, j'espérais pouvoir réduire le prix en piratant le truc. Ah, mais oui, c'est ça. Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Oxy, l'Albatros. Ça remonte vite, mais jamais je remonterai à 1000 et quelques. L'aérotram, hein? C'est comme ça qu'ont débarqué tous ces flics pendant la tombola. C'est la ligne pour Monument Island. Je peux essayer. Adieu à votre tête! Haineux, avare. Ah, on reste dans la
l'agneau. Il se dirige vers sa tour à cet instant. Il ne cherche qu'à nous nuire. Bien. Je continue à augmenter mes cristaux parce que plus j'en ai, bah, plus je suis tranquille. Seigneur comprit que la cruauté de l'homme était grande. Il se repentit de lui avoir donné la terre. Le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits, et il anéantit toutes les créatures. Voyez-vous, mes amis, le Seigneur lui-même se réserve le droit de repartir de zéro. Et Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. C'était là. Devoir enfoncer des portes. Moi, j'enfonce rien du tout. T'as vu dans quel quartier on est? Tu sais ce qu'il a fait, ce type? Et t'attends quoi de la part d'un anarchiste? C'est vous qui m'obligez. Il y a un autre aérotram au-dessus. Si je trouve un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre. Vous voyez ce qui arrive ? Ça va, tu dis que t'es à sec de munitions mais que tu veux me tuer, faut décider, hein. Si t'es à sec, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Prenez-lui sa tête. Non, je vais garder ma tête, mec. Hein.
Reculez. Reculez. Toi qui franchis le Delaware avec une épée de feu et des ailes angéliques, protège-moi et donne-moi la force. Père Washington, entends ma prière. Pas juste, moi je voulais qu'ils se battaient là un peu. Qu'il soit béni par Madame Comstock. Qu'il soit. Ils ont même pas de loot, c'est pas drôle. Qu'il soit béni par Madame Comstock. Je dois monter sur le toit et prendre l'aérotram pour Monument Island. Qu'il soit béni par Madame Comstock. Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. Wounded Knee, l'agence Pinkerton, la boisson et le jeu. Et bien sûr, Anna. Aujourd'hui, pour effacer une dette, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'efface pas à mon cœur. Vous savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie, monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire, et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, mon cœur? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours mal. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux. Retournez dans votre sabbat. Allez-vous-en ! Oh merde ! Là ! Tous sur lui ! Ce sera votre dernier cycle ! Vous êtes coincés ! Je l'ai tué ! Tirez-lui dessus! Allez, allez! Bah allez, copain, sors, viens. Commande pour rejoindre Monument Island. Tout va bien. Je te ferai aucun mal. Peut-être. C'est moi qui décide après tout. Ok, je suis sûr que je peux le faire marcher.
Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. Amen. Oh merde! Il faut que je file d'ici! C'est loin. À 1241, on suit qu'à 378, hein. Ouais, bah j'ai que par là-bas où je peux aller, hein, de toute façon. Merde, j'aurais pas dû prendre des cigarettes. Ah. Pas dû pas prendre. Je panique, je sais même plus ce que je dis à force. Il n'y a rien sur les bords. Enfin, sur ceci en tout cas. Nous y sommes. Monument Island. Bah, je vais m'arrêter là. Je voulais m'arrêter vers 6h, hein, c'est 6h moins quart. Je vais pas recommencer une map tout de suite, ça me prend une bonne demi-heure. Hein, donc ça... Je dépasserai l'heure que j'ai prévu. Je me demande pourquoi. Si je fais reprendre au point de contrôle, j'arrive où ? Bien, nous y sommes. Monument Island. Voilà. Parfait. Je m'arrête là. Non, je me remets pas le... Ça remet pas le nom BioShock et tout.
Du coup, je sais qui je vous envoie. Alors. Je vais vous mettre de nouveau chez Christella. Elle est encore sur Daymar 1998. C'est cool comme ça. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci Thierry et Daffy d'être passés dans le chat. Merci à tous les autres qui étaient en lurk. Hein. J'ai vu pas mal de monde passer. Des bisous à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce soir, tard, il y aura un stream. Je sais pas vers quelle heure, je sais. Normalement, je devrais faire du labyrinthine avec Jean-Eudes et Maya. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!